Bonjour, 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 toi qui me regardes ce matin. Bienvenue sur Africa Contractor. Sur cette chaîne, nous parlons d'agriculture, d'élevage, d'agroalimentaire et beaucoup d'idées business qui concernent l'agro-pastoral. Si une de ces thématiques t'intéresse, sache que tu es au bon endroit. Et pour cela, tu as deux choses à faire. La première, abonne-toi. Active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos qui te parleront de l'agro-pastoral. Et la deuxième, partage au maximum cette vidéo dans tes différents groupes WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Twitter et j'en passe. Installe-toi confortablement. Ce matin, nous allons parler du traitement qu'il faut sur un champ de papayer. Si vous vous rappelez, dans une vidéo précédente, nous vous avons montré comment nous avons pu passer de l'étape de pépinière de nos graines de papaye jusqu'au répiquage ou alors la transplantation en champ de nos jeunes papayers. Et maintenant, aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment est-ce qu'il faut entretenir et traiter la plante pour qu'elle puisse avoir un bon démarrage pour un rendement attendu à la fin du cycle. On se voit tout de suite. Une fois de plus, soyez les bienvenus. Alors, simplement déjà à titre de rappel, sachez que la papaye fait partie des cultures fruitières un peu à cycle court. C'est pas un peu comme les orangers, les vergers si vous voulez, orangers, mandariniers et autres, qui sont bien des fruits, c'est vrai, ou alors comme l'ananas qui est un fruit. Mais la papaye, elle est un peu particulière parce que contrairement à l'ananas qui fait entre 14 et 15 mois en plantation avant d'être récoltée, la papaye, elle, au bout de 7 à 9 mois, selon les variétés que vous disposez, vous pourriez commencer vos récoltes. Maintenant, comme on l'a toujours dit, en agriculture comme en élevage, le choix de la semence ou de la race est capital pour votre projet à hauteur de 75%. Les autres 25% entreront dans l'entretien, le suivi et l'itinéraire technique qu'il faut mettre dans votre projet, qu'il soit agricole ou d'élevage. Donc, il est important, dans un premier temps, de choisir les bonnes semences, d'appliquer la bonne itinéraire technique pour espérer avoir le rendement que vous voulez. Ici, nous sommes en train de mettre sur pied la Kalina IPB9 qui a un rendement vraiment, vraiment important à l'hectare. Donc, comme on vous a dit dans cette vidéo, on suivra avec vous step by step jusqu'à la récolte ce champ. Alors, aujourd'hui, nous sommes là pour vous parler de l'entretien parce que vous savez, si vous n'entretenez pas votre plantation, il est clair qu'il y a des insectes qui vont vous détruire la plantation parce que vous savez, il y a des insectes herbivores qui se nourrissent que des feuilles. Donc, ce qui fait que si vous ne prenez pas la peine de mettre des insecticides pour protéger vos plantes contre ces ravageurs, ils vont vous ravager toute la plantation. Il est aussi important que si vous ne mettez pas un engrais de démarrage pour booster la croissance, il est clair que la croissance va rater. Et maintenant, peut-être en finition ou en croissant, vous viendrez peut-être vouloir rattraper en mettant trop d'engrais. Ça ne marche pas comme ça. Donc, quand la plante a cette taille-ci, voilà, vous pouvez la voir. Quand la plante a cette taille, je rapproche un peu la caméra. Voilà. Quand elle a cette taille-ci, donc ça, c'est pratiquement 2 semaines après le repiquage, il est important de venir faire le traitement dont nous sommes en train de faire ce matin-là. Ça nous permet premièrement de renforcer le système. Voilà, vous voyez. Ça nous permet premièrement de renforcer le système de la plante et ça permet à la plante d'avoir un démarrage efficient pour attaquer sa phase de croissance. Et comme je vous l'ai toujours dit, en agriculture comme en élevage, par exemple, ceux qui pratiquent l'élevage de poulets de chair, ils savent qu'il y a l'aliment de démarrage, de croissance et de finition. C'est pareil également en agriculture. Il y a les engrais agricoles de démarrage, de croissance et de finition. Prenez seulement conseil chez votre vendeur de phytosanitaire. Ou alors chez votre technicien en plantation, il vous donnera la bonne information. Je profite pour faire une petite parenthèse pendant que nous traitons nos plants de jeunes papayers pour vous donner un conseil et ça a failli coûter notre campagne agricole. Vous pouvez remarquer que là derrière moi, il y a beaucoup d'arbres qui sont couchés. Là, si vous pouvez remarquer, voilà.
Il y a beaucoup d'arbres qui sont couchés et ça nous pénalise là actuellement pour travailler. Parce que là, il y a les plants de papaye là partout. C'est vrai qu'ils sont encore jeunes. Raison pour laquelle je retourne la caméra pour que vous puissiez voir quand je fais la vidéo. Ils ne sont pas encore visibles, n'ont pas encore pu dépasser la taille des arbres qui sont couchés. En effet, de quoi est-ce que je vais parler? Je vais parler ici du métier de scieur. Le métier de scieur, c'est un des métiers, ou alors c'est une des personnes en agriculture qui peut te faire rater toute une campagne agricole. Donc aujourd'hui, vous voyez, on a beaucoup d'arbres couchés là comme ça parce que on s'est dit que ce sont des personnes qui travaillent dans le timing. Mais je vous assure, sans faire de la mauvaise publicité, ce sont des personnes qui fatiguent énormément. Avec cette personne, l'expérience que nous on a eue, il faut planifier un travail d'une semaine à un mois avec eux. C'est-à-dire quoi? Si vous savez que votre campagne agricole débute dans peut-être un mois, recrutez-le en le disant que ça débute dans une semaine pour qu'il se mette au travail. Parce que quand vous donnez les délais exacts, par exemple, celui qu'on a ici, je dis bien, il peut avoir déception à la règle. Oui, il peut y avoir des scieurs qui sont parfaits, qui sont dans le timing, qui travaillent bien. Mais ici, ça a été vraiment un échec pour nous. Donc, le conseil que je peux vous donner, quand vous lancez vos plantations, quand il s'agit de l'abattage, prenez la peine d'abattre les arbres bien à l'avance. Ce qui va vous permettre, par exemple, de découper les arbres au sol, d'éviter un peu ceci. Parce que là, ça nous donne beaucoup de travail pour pouvoir traiter les plants à l'intérieur. Il faut sauter les arbres. Donc, ce qui n'est pas évident. Ok, donc n'oubliez pas, faites travailler les scieurs, c'est important, puisque sans eux, on ne peut pas enlever l'ombre qu'il y a dans la plante. Parce que les plantes ont besoin de la lumière du soleil pour la photosynthèse. Donc, on a besoin d'abattre les arbres, mais pour cela, faites-le bien à l'avance. Sinon, parce que nous, on a laissé ça comme ça, parce qu'il n'y avait plus le temps d'attendre que le scieur vienne tronçonner, tronçonner, tronçonner pour qu'on puisse travailler. Sinon, on devait rater la campagne agricole. Or, vous voyez la taille que les plants ont déjà. Donc, en termes de conseils, comme je vous l'ai dit, travaillez avec les scieurs, mais travaillez dans une période un peu très avancée. Donc, c'est-à-dire, ne leur donnez pas le timing exact de votre planning, de votre calendrier d'activité, si vous voulez, mais mettez-les un peu sous pression de façon indirecte. Cela vous sera d'une très, très grande utilité. Généralement, 2 semaines après le repiquage de vos plants de papayer, voilà à quoi est-ce que cela va ressembler. Et sachez que comme toute culture, on ne peut planter et laisser ainsi. Donc là, vous pouvez voir que ce matin, nous sommes en train de faire un traitement. Vous allez remarquer là des feuilles, une couleur blanchâtre sur les plants. C'est un traitement que nous sommes en train d'appliquer pour permettre à la plante d'avoir un démarrage en croissance efficient et efficace. Donc, il est important pour vous de suivre correctement votre plantation. Il ne suffit pas simplement de faire la pépinière, de repiquer et ensuite de l'abandonner. Il y a un très très gros processus qu'il faut mettre sur pied, c'est-à-dire votre itinéraire technique, votre plan de production. C'est important. Cela va vous permettre d'avoir de bons rendements. Voilà. Maintenant, je vais aussi vous montrer comment est-ce qu'il faut régler votre pulvérisateur. Quand il sort en nuage comme ça, c'est pas efficace. Mais en nuage, c'est bon pour d'autres cultures que je vais citer bien après. Regardez, généralement, voici comment est-ce qu'il faut régler votre pulvérisateur. Vas-y, pompe, pompe. Voilà. Vous réglez ainsi. Voilà, voici le bon réglage pour votre pulvérisateur. Donc, sachez que il faut bien régler le pulvérisateur pour que les produits soient correctement repartis sur la plante. Par contre, quand vous réglez le pulvérisateur, pardon, j'y arrive, en forme de nuage, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est pour des plants comme ceci. Vous pouvez voir que ça, c'est un plant qu'on a récupéré à la pépinière de cela 2 jours pour récupérer, pour repiquer, pardon. Parce que généralement, vous savez, après souvent le triage de la pépinière pour transplanter en champ, il est clair que vous pouvez omettre certains plants. Et généralement, quand vous réglez le pulvérisateur en nuage, c'est pour traiter les plants en pépinière. Parce qu'en pépinière, la plante est plus fragile. La tige est encore un peu très mince comme celle-ci, comme vous pouvez la voir là. Elle n'est pas encore solide comme les plants dont on voyait tout à l'heure. Donc, il est important que si vous réglez en nuage,
la plante n'aura pas assez d'éléments nutritifs qu'elle va recevoir. Donc, il est important de régler votre pulvérisateur comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Bon, là, vous pouvez voir comment on est en train de faire la composition qui va au champ. Vraiment, je ne vais pas trop rapprocher la caméra pour ne pas faire office de publicité. Pour que vous n'hésitez pas que non, c'est seulement tel produit que vous avez vu chez nous que vous l'aussi utilisez. Mais sachez que les mélanges ne se font pas au hasard. Et là, dans d'autres plantations, vous pouvez par hasard utiliser l'atomiseur. Mais nous, ici, nous avons un pulvérisateur. Donc, pour ceux qui ont des grandes superficies et qui veulent aller très vite, ils peuvent utiliser l'atomiseur. Mais là, chez nous, c'est le pulvérisateur. Donc, comme je vous ai dit, cette composition vous permet d'entretenir vos plantes. Le bio. Voilà, le bio, comme mon collaborateur est en train de dire. Donc, les papayes que vous allez manger ici, vraiment, rassurez-vous. Là, le produit, c'est naturel. Voilà, donc rassurez-vous, le suivi est bien fait. Et maintenant, une technique, quand vous mélangez les produits, généralement, mettez d'abord l'eau à la moitié du pulvérisateur. Vous mettez les produits, après vous secouez copieusement avant de compléter l'eau. Là, vous êtes certain que les produits se sont très bien mélangés. Là, c'est homogène avant d'aller mettre sur les plantes. C'est hyper important, n'oubliez pas ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, surtout partagez au maximum. Ciao et à la prochaine!